n'avez pas vu le clocher. François Lopez, ce soit ça, mon corps. Réduire l'écart au kilomètre, Franceschi il va très vite, il connaît bien le parcours, mais il faut faire les temps aussi derrière et c'est compliqué à le suivre, mais on va essayer de faire ça, aller peut-être signer un scratch, essayer de faire jeu égal. On y est, il faut y rester, c'était vraiment top, on a pris du plaisir, la caisse nickel, enfin, franchement un pur régal. L'objectif de base c'était de faire un podium, d'être à l'arrivée. On va continuer sur ce rythme, la voiture est top, donc il va falloir continuer et surtout être au bout. On va rien lâcher, il y a une seconde 7, c'est comme s'il n'y avait rien. Pas trop mal, on est à une bonne place, 30 secondes devant, 30 secondes derrière, donc voilà, il faut qu'on garde ce cap. Et aujourd'hui, on va essayer de maintenir la première place du trophée et en espérant que tout se passe bien. On est en tête du deux roues motrices, donc pourquoi pas essayer de la garder. Dans tous les cas, on va continuer à attaquer, mais on va pas prendre de risques. Il faut que je pense au championnat. Le championnat, c'est la classe qui compte. Mais c'est vrai que quand on est si proche, on a toujours envie d'aller jouer devant. Donc on va voir après le premier chrono où on sera. L'idéal, ce serait d'arriver à maintenir la place et on va voir si aujourd'hui j'arrive à rentrer dans le rythme ou pas, il n'y a pas de raison. Plutôt pas mal hein, pour un retour à la compétition. J'ai subi un petit peu la voiture parce que ça fait vraiment longtemps que j'avais pas roulé. Sur droite à fond, et ciel, 50 mètres, deuxième ciel, 250 mètres, frein avant cuvette, 40 mètres, gauche 90, pas corde, extérieur, frein avant cuvette, 40 mètres, gauche 90, pas corde, extérieur, 250 mètres.
bilan top du top, hein. On a réussi à gérer le plan qu'on avait prévu avant le rallye de A à Z. En plus de ça, on a pris vraiment du plaisir dans chaque spécial. On augmente l'écart au championnat, enfin, tout est parfait. Les ont déjà pris la mesure avec les montagnes.